Terminator ou Bruce Willis dans Die Hard, maybe. Ça marche aussi. Question immortalité. Non. Ok. Comment je sors d'ici? Ah bah si, il y avait sortie de secours, c'est vrai. Et du coup, on dirait que j'ai encore la vision déglinguée. Ah, peut-être qu'en fait que ces trucs-là... Que les espèces de formes de vie qui maintenaient Amy en vie... Parce que, plus tôt, j'ai touché un truc aussi qui m'a électrocuté, mais après j'avais récupéré ma vue. Donc peut-être que ce truc-là m'a soigné tout à l'heure aussi. On appelle. Simon, vous êtes là? Catherine, c'est vous? J'étais en route, mais le train navette a eu un accident. Vous allez bien? Le système indique que le secteur est condamné à cause d'une possible brèche dans la coque. Non, je vais pas bien. Qu'est-ce qui a pu arriver à ce monde? Pourquoi nous sommes sous l'eau? Waouh, d'où est-ce que vous sortez? Écoutez, on verra ça plus tard. Je me rends bien compte que vous n'y comprenez rien, mais vous êtes tout près de lambda, vous devez continuer. Comment ça, tout près? Je peux y aller à pied? Oui, mais le tunnel est condamné pour empêcher la structure de s'effondrer. Vous devez chercher l'écoutille de maintenance de votre secteur. Elle vous permettra de rejoindre l'extérieur. L'écoutille de maintenance? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. À plus tard, Simon. Tu vas te faire tuer. Catherine? Ça va? Catherine, elle va mourir, comme toutes les autres. En fait, je croyais qu'on parlait à Amy, mais c'est à Catherine qu'on parlait alors. My bad. Allez, une navette pour retourner à la surface, please. Ça, justement, ce truc-là, là. Ça, ça m'a redonné une vision la dernière fois. Oh, oh non, 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 c'est horrible, ça. Jesus Christ. Bon sang, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. J'ai pas bien compris l'intérêt là, n'empêche. J'ai loupé un truc. Ah. Hey, hey. J'ai loupé ça. On peut refermer la porte? Non. Ah, si seulement ça avait pu être la lumière du jour. Omnitool. Balayage. Accès accordé. Ah, je retourne dans l'eau. C'est reparti. Bienvenue à bord, commandant. Donc en fait, c'est quand même bien ce que je pensais au départ. Ça avait quand même quelque chose de spatial. Même si le hasard a fait que c'est devenu sous-marin. Je peux trouver lambda, hein? Quelle superficie peut bien faire ça, cet océan? Ouais, on peut se perdre aussi. On a déjà failli le faire. Pas de lumière.
peux siffler mon copain le robot, non? Des crabes? Yay! Salut les potos! Et si on fondait une nouvelle civilisation, vous et moi? Parce que je sens qu'ailleurs, de toute façon, je risque pas de bien survivre longtemps. Non, vous voulez pas? Bon, tant pis. Surtout qu'on dirait que j'ai pas de limite d'oxygène, donc... C'est quoi ça? Non. Je pensais que ça pourrait me faire flotter, mais non. Là, il y a un truc. Non. Ah non, hein. Non, non, non. Ça m'intéresse pas. Go, 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 go. Des voix, non? Pequod. Est-ce qu'on a entendu parler de Pequod déjà? Je crois que ouais, non? C'est un sous-marin en fait. Lambda. J'aurais pas dû leur faire confiance. Il y en a encore un là. Oh. C'est quoi ce bruit? Où sont-ils tous passés? Rien ici, rien nulle part. Ouais, c'est pas grave. Go, 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 go. Je sais pas si je perds de l'oxygène en courant comme ça. J'ai vraiment pas envie de rester sous l'eau très longtemps. Oh mon dieu, ça y est, des requins. Un requin marteau, chouettos. Allez, allez, please, 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 please. Allez! Ah zut, je pensais que c'était une porte, mais non, c'est une vitre. Ok. Lambda, là-bas c'est quoi? C'est une navette ça. C'est mon copain là-bas. C'est quoi ça? Rentrer là-dedans. Omnitool. Erreur. Puce cortex requise. Impossible d'activer le vaisseau de secours. Protocole absent. What? J'aurais pu rentrer à la maison avec ça? Regardez-moi ce truc-là. C'est vertigineux. Je pensais pas qu'on pouvait ressentir cette sensation sous l'eau, en fait, de vertige. Bizarre. Est-ce que je peux rentrer? Yay! Yeah. De sa chair de lambda, où se trouve Catherine? Où se trouvait Catherine? Catherine est morte, l'ami. Et les bruits reviennent. Salut les copains. Alors, on fait un petit défilé de mode pour voir qui c'est qui est le plus horriblement blessé.
Life support. Genre quoi, y'a de l'eau qui coule là? Inquiétant. Oh my god! Toi, t'approches pas. C'est important. Non! Mon dieu, c'était quoi ce machin? Ah! Hello? En fait, elle vient de mourir juste à mon arrivée, c'est ça le principe? Catherine? Calmez-vous. Ne le regardez pas. Regardez pas quoi? Moi j'ai rien envie de regarder, hein. Ok, je l'ai pas regardé. My god, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je m'en vais. Oh my god. Mon dieu. Je crois qu'on peut sortir maintenant. Et il est parti où? Hein? Comment ça peut être safe alors qu'on sait pas où est-ce qu'il est parti? Ah si, par là. Simon, vous êtes là? Je suis touché. J'arrive. Hello? Catherine? Oh non, please. Me dis pas que c'est toi, Catherine, sinon ça valide toutes mes théories. Oh, il n'y a plus aucun humain sur cette planète. Je suis juste à côté de vous. Non, t'es pas Catherine. T'es pas Catherine, t'es un robot. Non, pas vous aussi. J'espérais que vous seriez toujours humaine. Et elle sait même pas. Ah si, ne vous fiez pas aux apparences, j'étais humaine autrefois. C'en est trop. Tout est foutu. Calmez-vous, c'est pas la fin du monde. Vraiment? Ça ressemble pourtant à l'enfer. Visiblement, il n'y a plus rien, plus personne à part moi. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a moi? Ne prenez pas mal, mais je voulais dire plus rien d'humain à part moi. Vous êtes regardé dans un miroir récemment? Vous n'avez rien d'autre qu'une combinaison de plongée bourrée d'électronique qui parle à... Vous ne voulez pas y réfléchir? Eh bien, je veux plus faire ça, je veux pas être ça, je veux partir. Avant de commettre l'irréparable, pourriez-vous me donner un coup de main? Quoi? J'essayais de comprendre ce qui était arrivé à mon projet quand cette brute m'a fait tomber par terre. Votre projet? Qu'est-ce que peut avoir d'importance quand on est un stupide robot dans un monde mort? Bon. Concentrez-vous. J'ai besoin que vous me répariez pour me permettre de me remettre au travail. Ensuite, vous pourriez bouder autant que vous voulez. Et de vous plaisanter. Je crois avoir plus de chances de me construire une machine pour voyager dans le temps que vous de vous réparer. Je dois juste accéder à l'ordinateur. C'est un Omnicutool que vous avez là. Oh, le dispositif de ouverture de porte? Je l'ai récupéré à Epsilon. Ça devrait faire l'affaire. Branchez-le au terminal. Mais certainement... Une fois l'Omnitool chargé, branchez ma puce Cortex dans l'outil. Qu'est-ce qu'une puce Cortex? Vous comprendrez, je l'éjecterai pour vous. Prenez la puce et insérez-la dans l'Omnitool. Allez, j'ai besoin que vous fassiez ça pour moi. Certainement. Terminal Lambda 27 activé. Bienvenue Elmer. L'Omnitool est prêt maintenant. Ça ne devrait pas poser de problème. Prenez la puce et insérez-la dans l'Omnicron. Pourquoi insérer une puce de robot? Il s'agit de quoi? Catherine? Ok, très bien. Ok, tout va bien? Ok, donc t'es pas morte alors. Ça change? Tiens, cadeau. What? Cortex chip.
Puce cortex personnalisé détecté. Fermeture de l'assistance Jane. Bonne journée. What? Oh, je me sens bizarre. Je suis dans l'Omnitool? Merci. Alors, quel est ce projet? Mon projet? Ah, eh bien, j'ai sauvegardé tous les occupants de la station sous forme de scans cérébraux et les ai placés dans un monde artificiel. Nous étions sur le point de le lancer dans l'espace pour le sauver de... Eh bien, de tout ça. Êtes-vous en train de me dire que vous allez lancer un cybermonde rempli de gens dans l'espace? Ouais. Au départ, c'était un projet réservé aux animaux domestiques, mais il a pris de l'ampleur après que la comète a percuté la surface. Il est tout à coup devenu très important et a été officiellement baptisé ARC. Logique. C'est... Où en êtes-vous? Je sais pas. Cette version de moi, ce que je suis, vient d'un scan que j'ai fait précédemment. La vraie Catherine aurait très bien pu finir le projet et le lancer. Je suppose qu'elle pourrait même être toujours vivante. Quelle drôle d'idée. Tu rêves. Et les robots parlants sont aussi des scans? C'est possible, mais j'en doute. Je suppose qu'il serait plus sensé si tel était le cas. Ah, très bien, enfin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à restaurer quelques données à partir du cerveau de sauvegarde. Ça devrait nous permettre de savoir ce qui nous... Quoi? Ce qu'il nous faut. Ah. Pourriez-vous me rendre un service et aller jeter un coup d'œil dans l'autre pièce? Je n'arrive pas à afficher les fichiers. J'ai besoin de savoir que l'arc est en sécurité. Bien sûr, Kath. Merci, je vais vous ouvrir la porte. Je reprends ça ou pas? Qu'avez-vous dit précédemment? Vous êtes de Toronto? Oui, je suis venu pour un scan cérébral et subitement... Mais voilà, ça n'a pas de sens. Pourquoi quelqu'un apportera-t-il un scan de Toronto? Tu trouves ça étrange? Et si je vous dis que c'était en 2015? Quoi? Ok. Je comprends plus rien! Catherine encore vivante, tu rêves. L'autre pièce, c'est ça? À mon avis, l'autre pièce, elle est... un peu flinguée, si tu veux, mon avis. Je n'y comprends rien. Vous avez dit quelque chose? Désolé. J'essaie toujours de savoir comment vous avez atterri ici. Continuez, j'aimerais savoir qui a pensé qu'envoyer un Canadien au fond de la mer pourrait être une bonne idée. Oh non! Qu'est-ce que vous faites? Attention! J'ai rien fait du tout, cocotte. Ah, c'est lui! Hello. Can you stop that now? Qu'est-ce que c'est moche ces machins, mon dieu! J'imagine qu'eux aussi c'est des êtres humains qui essaient de rentrer désespérément. Attention, je crois qu'il est de retour. Ouvrez l'œil. Ouais, ouvrez l'œil ou fermez-le. Fermez-le, vous avez dit qu'il fallait pas le regarder.